لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى راية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله أبدأ هذه المحاضرة، وإن شاء الله est une activité de langue et nous allons إن شاء الله commencer par les différents types de subordonnées. Aujourd'hui nous allons voir la subordonnée relative. Alors, fait درس اللغة الذي فات كنا شفنا la phrase complexe. الجملة المركبة. وشفنا جميع أنواع العلاقات في الجملة المبا. Donc, les différentes relations dans une phrase complexe. Et ces différentes relations, nous avons dit que il y a une relation de juxtaposition, la relation de coordination et la relation de subordination. Alors, dans la relation de subordination, on a dit qu'il existe trois types de subordonnées. La subordonnée relative, la subordonnée complétive et la subordonnée circonstancielle. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir la subordonnée relative. Commençons par les exemples suivants. J'ai consulté un médecin. Le médecin pratique à Rabat. J'ai consulté un médecin. Le médecin pratique à Rabat. Donc ici, j'ai deux phrases simples. J'ai deux phrases simples. La première phrase, j'ai consulté un médecin. Et la deuxième phrase, le médecin pratique à Rabat. Donc je peux faire de ces deux phrases une seule phrase et en évitant la répétition du mot médecin. Donc, à partir de ces deux phrases, je peux construire une seule phrase et relier entre les deux phrases par un subordonnant qu'on appelle le pronom relatif et je vais éviter de la sorte la répétition du mot médecin. Et la phrase que je vais obtenir, c'est « J'ai consulté un médecin qui pratique à Rabat. » Donc, qui a remplacé le médecin. Qui a remplacé le médecin. Dans la deuxième phrase. Le médecin dans la deuxième phrase est sujet. Donc, sujet, le verbe pratique et le complément. Donc, le médecin ici est sujet, donc je l'ai remplacé par le pronom relatif qui. Nous passons à la deuxième phrase et au deuxième exemple. J'ai déchiré la robe. Samia a acheté cette robe. J'ai déchiré la robe. Samia a acheté cette robe. Donc, encore une fois, deux phrases simples que je vais transformer en une seule phrase complexe avec une subordonnée relative introduite par un pronom relatif. Et le pronom relatif que j'ai utilisé ici, c'est « que ». Alors, pronom relatif « que », il remplace « cette robe ». Il remplace « robe ». Alors, quelle est
la fonction du mot robe dans la phrase, sa fonction est complément d'objet direct. Alors, Samia a acheté quoi? Elle a acheté, donc Samia a acheté cette robe. Donc, que remplace le pronom, le complément d'objet direct. J'ai acheté la robe, j'ai déchiré la robe que Samia a achetée. Alors, remarquez ici, acheter, j'ai ajouté un E. J'ai ajouté un E du féminin. Parce que le pronom relatif. Salam alaikum. هناك صوت الآن أعتذر انقطع لي الاتصال إذن أوكي دكار لو بالنسبة ل نعم لو بالنسبة للشرح الجملة الأولى كان واضح كان الصوت موجود في شرح الجملة نعم وكنتنو لو قلت هنا ici, le pronom relatif « que » est un complément d'objet direct. Et lorsque le complément d'objet direct est placé avant le verbe, ici « que » il est placé avant le verbe, alors le participe passé s'accorde avec ce pronom relatif s'il remplace un nom féminin ou bien en pluriel. Donc, que Samia a acheté, on lui ajoute un E, puisque que remplace robe, et robe est un complément d'objet direct non féminin. Je continue. L'exemple suivant, autrefois, on brûlait les sorcières. Les gens avaient peur de ces sorcières. Je répète, autrefois, on brûlait les sorcières. Les gens avaient peur de ces sorcières. Alors ici, je vais remplacer « sorcière » qui se répète dans la phrase. Et donc, pour relier les deux phrases et éviter la répétition de « sorcière », je dois d'abord savoir quelle est la fonction du mot « sorcière » dans la deuxième phrase. Alors, nous voyons que le mot est introduit par « deux ». Donc, les gens avaient peur de quoi? Les gens avaient peur de quoi ou bien de qui? Ici, la fonction du mot sorcière est complément d'objet indirect introduit par deux. Complément d'objet indirect introduit par deux. Donc, le pronom relatif que je vais utiliser pour remplacer un complément d'objet indirect introduit par « de », c'est le pronom relatif « dont ». Alors, autrefois, on brûlait les sorcières dont les gens avaient peur. Autrefois, on brûlait les sorcières dont les gens avaient peur. Nous voyons maintenant un autre pronom relatif, ou bien toujours le même pronom relatif, mais avec une autre fonction. Oui, pour ne pas répéter les sorcières, Souhaïla, c'est ça. Donc, pour éviter la répétition. La voiture est tombée en panne.
La voiture est tombée en panne. La couleur de la voiture est rouge. La couleur de la voiture est rouge. Alors maintenant, nous voyons que le mot voiture, pour éviter sa répétition, nous allons utiliser le pronom relatif « dont ». Mais alors pourquoi? Parce que la voiture ici est un complément de nom introduit par « de ». La couleur, le nom, « de », plus un autre nom, le deuxième nom, est complément du premier nom. La couleur de la voiture est rouge. Donc, j'obtiens la phrase complexe avec la voiture dont la couleur est rouge est tombée en panne. Mais alors là, vous allez remarquer que la subordonnée relative, elle est placée entre le sujet et le verbe. Donc, la voiture est tombée en panne. Et entre le sujet et le groupe verbal, nous avons la subordonnée relative placée ici. Donc, la couleur est rouge. Alors, on appelle cette subordonnée à l'intérieur de la proposition principale, on l'appelle une subordonnée relative enchâssée. Une subordonnée relative enchâssée, ça veut dire elle est à l'intérieur de la principale. Alors pourquoi on est obligé d'enchâsser la subordonnée relative? Parce que le pronom relatif doit se trouver à côté de son antécédent. Le pronom relatif doit se trouver à côté du nom qu'il remplace. Dans toutes les phrases que nous avons vues tout à l'heure, le pronom relatif est à côté du nom qu'il remplace. On appelle ce nom l'antécédent. Nous voyons maintenant un autre exemple avec un autre pronom relatif. Alaykoum salam ya Amina. Je vais souvent à Fès. Je vais souvent à Fès. Il y a beaucoup de monuments historiques à Fès. Donc, monument ici, on a oublié un S. Je vais souvent à Fès. Il y a beaucoup de monuments historiques à Fès. Donc, je vais relier les deux phrases pour obtenir une phrase complexe. Et avant de choisir le pronom relatif, je dois voir quelle est la fonction du nom répété. Alors, il y a beaucoup de monuments historiques à Fès. Et bien, à Fès est un complément circonstanciel de lieu. Un complément circonstanciel de lieu. Et le complément circonstanciel de lieu est remplacé par le pronom relatif ou. Le pronom relatif ou, avec bien sûr accent grave sur le U. Bien. Alors, je vais souvent à Fès où il y a beaucoup de monuments historiques. Je répète, je vais souvent à Fès où il y a beaucoup de monuments historiques. Alors, on va voir maintenant ce qu'on va retenir. On retient une subordonnée relative commence par un pronom relatif simple ou composé.
Alors, dans les exemples que nous avons vus, du début jusque-là, sont des pronoms relatifs simples. Qui, eux, dont, où. Donc, une subordonnée relative commence par un pronom relatif simple ou composé. Alors, revenons pour voir. Voilà. Et c'est la subordonnée relative. Elle commence par le pronom relatif où. Donc, où il y a beaucoup de monuments historiques, c'est la subordonnée relative. Même chose dans la phrase la voiture dont la couleur est rouge, c'est la subordonnée relative et on a dit elle est enchâssée. Dans l'exemple précédent aussi, on brûlait autrefois on brûlait les sorcières dont les gens avaient peur, donc la subordonnée relative c'est les dont les gens avaient peur. Alors, je viens de Fès. Il y a beaucoup de monuments à Fès. Alors, je viens de Fès. Alors, on relit. Je viens de Fès où il y a beaucoup de monuments. Je viens de Fès où il y a beaucoup de monuments. C'est ça, n'est-ce pas? Et la phrase avec que, donc même chose, la subordonnée relative, c'est que Samia a acheté. Non, je viens de Fès où il y a beaucoup de monuments. C'est la bonne phrase et non pas d'où. Et la phrase première, j'ai consulté un médecin. Donc la subordonnée relative, c'est qui pratique à Rabat. Qui pratique à Rabat. Voilà. Donc ça, ce sont les subordonnées relatives. On a dit que les subordonnées relatives commencent par un pronom relatif simple ou composé. Il y a beaucoup de monuments d'où je viens. Mais je viens d'où, Samir, je viens d'où. Il y a beaucoup de monuments d'où je viens. Mais vous n'avez pas le mot Fès dans votre phrase. Je viens de Fès, il y a beaucoup de monuments à Fès. Donc, à Fès, c'est un complément circonstanciel de lieu introduit par A. Donc, je vais utiliser où. Je continue. Elle relie entre deux propositions en évitant la répétition des mots. Donc, la subordonnée relative, qu'est-ce qu'elle fait? Elle relie entre deux propositions en évitant la répétition des mots. Elle ajoute une information ou décrit. Donc, maintenant, quelle est sa valeur? Quelle est la valeur de la proposition relative, c'est ajouter une information ou bien décrire. C'est ça sa valeur. La subordonnée relative. Donc, le choix du pronom relatif dépend de la fonction de l'élément répété dans la phrase. Le choix du pronom relatif dépend de la fonction de l'élément répété dans la phrase. C'est-à-dire que je vais choisir le pronom relatif en fonction de du mot dans la phrase. C'est-à-dire, ah oui, d'accord. Il y a beaucoup de monuments
À Fès, d'où je viens. Oui, d'accord. D'accord. Là, la phrase est juste. Il y a beaucoup de monuments à Fès, d'où je viens. D'accord. Donc, je dis, on choisit pronom relatif selon la fonction du mot répété dans la phrase. Alors, ainsi, nous avons quoi? Ainsi, nous avons les pronoms relatifs simples, donc nous avons qui est toujours sujet. Qui est toujours sujet. Il remplace un nom sujet dans la phrase. Que, il est toujours complément d'objet direct. Il remplace un nom qui est complément d'objet direct. Et il est précédé d'un nom. C'est pourquoi l'autre jour, je vous ai dit que pour faire la différence entre que de la complétive et que de la relative, il faut voir qu'est-ce qu'on a avant que. Si nous avons un nom, c'est un relatif. Et si nous avons un verbe, c'est un que de la complétive. Donc c'est ça la différence entre les deux. Puis nous avons le pronom relatif don, qui est toujours soit un complément d'objet indirect ou bien un complément de nom, et même il peut être un complément d'adjectif, ou il est toujours complément circonstanciel de lieu. Alors là, ce sont les pronoms relatifs qu'on appelle les pronoms relatifs simples. Nous allons voir maintenant le pronom relatif. Donc, un pronom relatif est toujours placé à côté de son antécédent. C'est-à-dire l'antécédent, tout à l'heure, nous avons dit, c'est le mot qu'il remplace. On l'appelle antécédent. D'où l'utilisation de la subordonnée relative enchâssée. Et là, quand est-ce qu'on utilise la subordonnée relative enchâssée? Lorsqu'on est obligé de mettre le pronom relatif à côté de son antécédent. Par exemple, dans cette phrase, la montre que tu as achetée est très jolie. La montre que tu as achetée est très jolie. Alors, même chose ici, attention, le acheter avec E, parce que c'est la montre, hein, c'est féminin. Et donc, la proposition relative, elle est enchâssée. Hein? Enchâssée, ça veut dire à l'intérieur de la principale. La principale, c'est la montre est très jolie. Et à l'intérieur de cette principale, nous trouvons la subordonnée relative que tu as achetée. Donc, ça me donne la montre que tu as achetée est très jolie. Voilà. Maintenant, nous allons voir les pronoms relatifs composés. Les pronoms relatifs composés. Alors, les pronoms relatifs composés, ils sont pas beaucoup utilisés, hein? Ils sont utilisés, c'est vrai, mais pas comme les pronoms relatifs simples. Ils sont appelés aussi pronoms relatifs prépositionnels. On les appelle aussi des pronoms relatifs prépositionnels parce qu'ils sont précédés. Hein, avant ces pronoms, on trouve une préposition. On trouve une préposition. Alors, par exemple, de qui? De qui est égal à don lorsque l'antécédent est un animé. Animé, ça veut dire un être vivant, une personne. Par exemple, je dis dans l'exemple ici, l'ingénieur de qui vous parlez
s'occupe d'énergie solaire. L'ingénieur de qui vous parlez s'occupe d'énergie solaire. Parce que la phrase à l'origine, c'est l'ingénieur s'occupe d'énergie solaire. Vous parlez de cet ingénieur. De qui? Donc ici, remplace un complément d'objet indirect introduit par de. C'est la même chose que dans. Hein? Je peux le remplacer par dans. Je peux dire l'ingénieur dont vous parlez s'occupe d'énergie solaire. Et je peux utiliser de qui. Mais de préférable, lorsque j'ai un nom animé, ça veut dire il s'agit d'un être humain ou bien d'un être vivant, j'utilise de qui au lieu de dont. Duquel maintenant? De laquelle? Desquels et desquels? Remarquez, ce sont, c'est la préposition de qui s'ajoute au pronom relatif. Alors ici, duquel est à l'origine de lequel, mais on sait, nous en français, lorsque de est lié avec le ou bien se trouve avec le, il devient du. Duquel, remarquez, c'est attaché. Duquel, hein, c'est un seul mot. De laquelle, au féminin. Au féminin, on dit de laquelle. De est séparé de laquelle. Desquels, donc des, c'est de plus les. De plus les, qui devient des, et c'est attaché. Desquels, le pluriel masculin, et desquels, pluriel féminin. Donc ce sont des pronoms relatifs qui sont variables, c'est-à-dire qui s'accordent en genre et en nombre, qui s'accordent lorsqu'il y a le féminin, bien sûr, le masculin, le pluriel masculin et le pluriel féminin. Alors, tous ces pronoms relatifs, duquel, de laquelle, desquels et desquels au féminin, ils sont l'équivalent de don, c'est-à-dire ils sont égaux à don. Ils ont la même fonction avec un antécédent animé ou inanimé. Ça veut dire que je peux les utiliser pour remplacer un nom animé, ça veut dire qu'il représente une personne, ou bien un objet. Donc, je peux dire, par exemple, le nouvel appartement duquel il est fier et très ensoleillé. Le nouvel appartement est très ensoleillé. Il est très fier de cet appartement. Donc la phrase devient le nouvel appartement duquel il est très fier. Je peux dire dont il est très fier. Les deux sont justes. Je peux dire le nouvel appartement dont il est très fier. Et ici nous avons un complément d'objet indirect et très ensoleillé. Voilà. Donc nous passons avec d'autres pronoms relatifs. Maintenant avec la préposition à. La préposition à qui? Auquel? À laquelle? Auquel? Et auquel? Alors c'est ces pronoms relatifs qui sont introduits par la préposition à. J'utilise à qui pour l'antécédent animé, ça veut dire pour l'être humain ou bien pour l'être vivant. Auquel,
auquel c'est A plus le. A plus le qui devient O. Donc, même chose, il est attaché à quel? Auquel constitue un seul mot. À laquelle? À laquelle? À tout seul et laquelle? Auquel? O, c'est A plus le. Donc, qui devient O. Donc, auquel? Auquel? Sont, alors tous ces pronoms relatifs composés sont des compléments d'objets indirects. Ce sont des compléments d'objets indirects quand le complément d'objet indirect est introduit par A. Alors lorsque nous avons A, nous utilisons ces pronoms relatifs. Exemple, Jawad parle de la jeune fille. Il s'intéresse à la jeune fille. Il s'intéresse à la jeune fille. Devient Jawad parle de la jeune fille à qui il s'intéresse. À qui il s'intéresse. Alors, si nous remplaçons la jeune fille par la voiture, alors maintenant la phrase va devenir Jawad parle de la voiture à laquelle il s'intéresse. À laquelle il s'intéresse. Donc, j'utilise à qui pour un être animé et à laquelle pour un objet. Non, ici je n'utilise pas de qui et Samir parce que nous remplaçons à la jeune fille et non pas de la jeune fille. Hein? Nous remplaçons à la jeune fille. Donc c'est pourquoi nous utilisons à qui il s'intéresse. Hein? Si c'était Jawad parle de la jeune fille, nous allons utiliser donc de qui? Hein? Non, ici nous ne remplaçons pas de la jeune fille, nous remplaçons à la jeune fille. Hein? À la jeune fille. Donc c'est pourquoi nous disons à qui. On continue. Alors maintenant, lorsqu'il y a préposition plus complément circonstanciel. Lorsqu'on a une préposition, un complément circonstanciel. Par exemple, on obtient les pronoms relatifs dans lequel, dans laquelle, dans lesquels, avec lequel, avec laquelle, avec lesquels, par lequel, par laquelle, par lesquels, etc. À cause de, duquel, à cause de laquelle, à cause desquels, etc. Donc nous avons une préposition, par, dans, avec, à cause, grâce à, durant, pendant, etc. Plus le pronom relatif, lequel, duquel, etc. La mère nettoie la chambre. Les enfants jouent dans cette chambre. La mère nettoie la chambre. Les enfants jouent dans cette chambre. Alors ça devient la mère nettoie la chambre dans laquelle jouent les enfants. La mère nettoie la chambre dans laquelle jouent les enfants. On peut commencer par la deuxième phrase. C'est-à-dire, on va commencer par la deuxième phrase, dire il s'intéresse à la jeune fille de qui il parle. Oui, d'accord. C'est juste. Alors maintenant, nous allons passer aux exercices d'application pour essayer
d'appliquer les pronoms relatifs. Et avant de commencer les exercices, alors je vous pose la question, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est compris? Si vous avez des questions avant de commencer les exercices, sinon on commence les exercices. Y a-t-il des questions? Oui ou non? S'il n'y a pas quelque chose que vous n'avez pas compris, donc on peut répéter. Si tout est clair, on passe aux exercices. Alors, j'attends. Donc, pour Montia, d'autres questions? Ah oui. D'accord. Bien. Alors, les élèves travaillent, les élèves réussissent. C'est bien. Alors, les élèves qui travaillent réussissent. Alors, là, je vais vous dire une chose. Vous avez donné les élèves qui travaillent réussissent. Quel est le mot qui se répète? Est-ce que c'est dans la première phrase ou dans la deuxième phrase? Attendez, Samir, avant de répondre à la première phrase d'abord. Élèves travaillent, les élèves réussissent. Où se répète le mot élève? Dans la première ou dans la deuxième phrase? J'attends votre réponse. Est-ce qu'on peut parler de la répétition dans la première phrase, Samir? On ne parle de la répétition que dans la deuxième phrase. Dans la première phrase, la phrase n'a pas de répétition. La répétition vient dans la deuxième phrase. Alors, le pronom relatif doit remplacer les élèves de la deuxième phrase. Alors, dans ce cas, oui, je vais utiliser qui? Et les élèves et sujet. Alors, dans ce cas, je vais dire quoi? Les élèves, qu'est-ce qu'on va dire? Comment je vais obtenir ma phrase? Vous commettez toujours la même faute, Motia. Les élèves qui travaillent réussissent. Oui, vous trouvez ça. Et la phrase, si je dis les élèves qui réussissent travaillent, est-ce que ma phrase n'est pas juste? Les élèves, qui, et je place le qui à côté des élèves, j'en chasse la proposition relative, elle sera enchâssée, les élèves qui réussissent travaillent. Les élèves qui réussissent travaille, d'accord? La deuxième phrase. Tanger est une ville. Je suis né à Tanger. La deuxième phrase. Voilà, c'est bien. Tanger est une ville où je suis né. Où, avec accent, il y a K. Ou avec accent moha. Où je suis né. C'est bien Motia. Tanger est une ville où je suis né. Bien. Le soleil dégage une énergie énorme. Les hommes essaient d'exploiter cette énergie. Voilà, c'est bien Samir. Le soleil dégage une énergie que les hommes essaient d'exploiter. C'est bien. Bien. Le soleil dégage une énergie où les hommes essaient d'exploiter. C'est bien. On peut utiliser dans où? Où est-ce qu'on peut utiliser dans? Dans la dernière phrase, tous les 11 ans,
Le soleil connaît une activité intense. Non, non, on ne peut pas, Samir, on ne peut pas. Donc, nous avons dit, ici, vous avez essayé d'exploiter hein, cette énergie. Et en nous, on remplace énergie et non pas exploiter. Donc, cette énergie qui est complément, elle essaie d'exploiter quoi? Ils essaient d'exploiter cette énergie. Donc, complément d'objet direct. J'utilise le que. Alors, tous les 11 ans, le soleil connaît une activité intense. Les effets de cette activité sont ressentis jusque sur la Terre. Voilà, c'est bien, Moha. C'est bien. Alors, tous les 11 ans, le soleil connaît une activité intense dont les effets sont ressentis jusque sur la Terre. Tous les 11 ans, le soleil connaît une activité intense dont les effets sont ressentis jusque sur la Terre. On voit maintenant d'autres phrases. Je vous présente Saïd, je m'occupe des affaires de Saïd. Allez, donnez-moi. Alors, de qui est-ce que je m'occupe de Saïd ou bien je m'occupe des affaires de Saïd? Comment je vais écrire la phrase? Non, de qui est juste, Samir? De qui est juste? Mais comment je vais faire la phrase? Comment je vais la construire? Non, Samah. Des affaires? Oui, continue. Des affaires? De qui je... Non. Je m'occupe? Non. Alors, je dis, je vous présente Saïd. Des affaires de qui? Je m'occupe. Je vous présente Saïd. Des affaires de qui? Je m'occupe. Hein? Parce que moi, je m'occupe des affaires de Saïd. Et ça, c'est un complément de nom. Hein? De Saïd est un complément de nom. Donc, je vais utiliser de Saïd, donc comme un complément de nom. De qui? Des affaires de qui? Je m'occupe. L'ouvrier est debout dès l'aube. Le travail ne fait pas peur à l'ouvrier. C'est bien. À qui? Alors, répétez. Je répète quoi? La phrase. L'ouvrier est debout dès l'aube. Le travail ne fait pas peur à l'ouvrier. Bon, c'est vrai, on va utiliser à qui, mais à la phrase précédente. Alors, je dis, je vous présente Saïd. Des affaires de qui? Je m'occupe. Des affaires de qui? Je m'occupe. Je m'occupe des affaires de Saïd. La même chose ici. L'ouvrier est debout dès l'aube. Le travail ne fait pas peur à l'ouvrier. L'ouvrier à qui le travail ne fait pas peur est debout dès l'aube. On répète. L'ouvrier à qui le travail ne fait pas peur est debout dès l'aube. La phrase suivante. J'ai un grand cartable. Je mets mes affaires dans ce grand cartable. Oui, je peux dire j'ai un grand cartable où je mets mes affaires. Et je peux dire aussi, avec la préposition « dans », en utilisant
dans, mais on ne dit pas dans quel, Moha. On dit dans lequel. Dans lequel. Alors, j'ai un grand cartable dans lequel je mets mes affaires. J'ai un grand cartable dans lequel je mets mes affaires. La phrase suivante, c'est une amie sincère. Je peux compter sur cette amie. Là, attention, vous avez sur. Sur. C'est une amie sincère. Je peux compter sur cette amie. Alors là, vous ne pouvez pas. Voilà, Moha, c'est bien. Sur qui? Sur qui je peux compter? Ou bien sur laquelle je peux compter? Alors, c'est une amie sincère sur qui je peux compter. Sur qui je peux compter. Rachida n'aimait pas son enfance. Elle n'était pas heureuse durant son enfance. Alors là, remarquez, vous avez des prépositions. Et vous devez utiliser des pronoms relatifs conditionnels ou ce qu'on appelle aussi les pronoms relatifs composés avec des prépositions. Alors, Rachida n'aimait pas son enfance durant laquelle, c'est bien. Et laquelle Yemouha est attachée. Laquelle est attachée. Durant laquelle elle n'était pas heureuse. Rachida n'aimait pas son enfance durant laquelle elle n'était pas heureuse. Et voilà. Donc, c'était des exercices pour mieux comprendre l'utilisation de ces pronoms relatifs. Est-ce que vous avez des questions avant de terminer ce... Merci à vous aussi de votre attention. Merci à vous. Alors, j'espère que vous avez bien compris l'utilisation de la subordonnée relative dans une phrase complexe. La subordonnée relative est toujours reconnue par le pronom relatif et nous avons vu donc les différents pronoms relatifs, les pronoms relatifs simples et les pronoms relatifs composés. Alors j'espère que vous avez bien compris. Est-ce qu'il y a une question avant de partir? Non? Alors c'est très bien, alhamdoulilah, tout est clair. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah. La prochaine séance, ce sera lundi, Inch'Allah, ce sera une séance de production écrite. Alors, si vous voulez, je vous donne déjà le sujet aujourd'hui. Le sujet sera sur la mendicité. Connaissez la mendicité? La mendicité? Non. La mendicité, c'est le fait de mendier. Ah, vous savez ce que c'est qu'un mendiant? Non, laissa la ulama, bel at-tasawul. Naam, at-tasawul. Naam, ça y est, c'est ça. C'est le fait de mendier. Et dans la boîte à merveilles, nous avons une scène où Rahma a préparé un dîner pour les mendiants. Donc, notre sujet serait sur la mendicité, le fait de mendier. Et donc, je vous demande de réfléchir à ce sujet. Et nous allons donc travailler lundi prochain, Inch'Allah, sur ce sujet-là. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre attention encore une fois et bonne nuit à tous.